Bonjour à tous et bienvenue sur la Divus TV, on se retrouve pour ce sixième épisode de Craft the Realm. Et du coup, on s'était laissé avec un premier donjon exploré. Là, pas mal de d'argent à récupérer. Là, on avait commencé à creuser un long tunnel. Voilà, pour explorer un peu, je peux dire toute la map, mais en tout cas... une bonne partie pour aider les copains. On va construire des allez du chasseur, ça c'est chouette. Des petits ponts en bois, même si je pense que ça suffira pas pour réellement les aider à creuser. Là il y a encore des trucs sympas à récupérer par là aussi. Récupérer tous ces échafaudages, mettre une petite lampe. Mais je pense qu'il va falloir reboucher tout ça d'une manière ou d'une autre. Et il va falloir que je m'occupe un peu de la déco de la maison. Parce que là, j'ai plein de choses à construire. Sac à dos robuste. On va les faire. Faut que je m'occupe de la déco parce que j'ai plein d'éléments à construire et à fabriquer pour avancer. Le moulin. On peut faire pour faire de la farine. Alors j'en ai un déjà, ça c'est top. J'avais peut-être déjà construit d'ailleurs. On va mettre ça dans la maison. Là, par exemple, ça passe là. Oui, impeccable. Ça prend pas trop de place. Là on est bon. Allez, on va essayer d'avancer un maximum. Donc du coup, je vais pouvoir faire de la farine et des grains. Bon, ça c'est facile, il suffit que je récupère du blé. Ça, si je fais ça là, voilà. Faire du grain. Voilà. Et du coup, les grains, je peux les planter. On pourra se faire une petite ferme sympa. Alors, toi, on va essayer de t'attraper. Je récupère mon piège. Voilà. On va venir poser ici. Carrément. Faudrait se faire un petit truc sympa. Bon, je pense que vraiment que je vais m'atteler. Là, je vais avoir la vague d'attaque. Je vais m'atteler à la construction du château en pierre. Ce sera beaucoup plus sympa. On va d'abord passer cette vague. On va faire l'appel, je pense. Évidemment, le portail s'est ouvert de l'autre côté, donc l'appel on va le mettre là. Bon, elle fait son taf. Je sais plus lequel est mon guerrier, mais ouais, c'est juste quand même. Bon, ça passe. Ça passe easy. Enfin, il y en a pas mal qui sont amochés, je pense quand même, mais. Et du coup, je vais faire la construction du château. Donc, on va faire ça en time-lapse pour gagner un peu de temps. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. We'll be right back.
voilà de retour après la fabrication de ma tour en pierre. Donc j'ai pas fait quelque chose de très très grand, mais bon, ça suffit déjà à mettre un peu de déco. Statue plutôt sympa. Voilà, là je suis en train de faire une petite plateforme pour pouvoir mettre les tourelles de défense. Alors je vais essayer d'en mettre deux au même endroit. Il va manquer de la planche en bois. Faire plein, voilà, pour bonne avance. Là, qu'est-ce que je peux fabriquer? Les flèches en argent, ouais, ça va me faire avancer dans les technologies. Donc, je peux pas en faire des masses, du coup, je peux peut-être faire du lingot 10. Voilà, déjà avec des armures en argent, on est pas mal. On va changer ça là. Là, pareil, j'ai mis un vrai plancher. Même plus sympa. Hop. Voilà. Ah, quelque chose qui ressemble déjà plus à une vraie maison avec un sous-sol quand même. Voilà, de loin, on est pas mal. Une petite tour ici. C'est plutôt joli, je suis plutôt content. Ma ferme qui tourne bien. Régulièrement, je vais récupérer. Tout ce qui est. On va essayer de se débarrasser de ces plantes là, il m'énerve. Je récupère tout ce qui est laine. Donc ça c'est cool. Là j'ai récupéré pas mal de pierres encore. J'ai pas tout ramassé d'ailleurs. On pourrait ramasser, ça serait sympa. On va mettre une échelle. Voilà. J'ai changé donc les cuisines. Et puis voilà, je pense qu'on est bien. Ça fait une jolie petite maison. Au niveau de la défense, c'était où? C'est là, je crois. La tour en... La tourelle, on va en mettre une ici. Je sais pas si on va pouvoir grimper. Tchac, 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 on va récupérer le bois. Ça, on va en enlever. On va modifier ce mur, voilà. Ok, ma fine tourelle. Je peux en faire une deuxième. On va la faire tout de suite. Je sais pas si les deux vont pouvoir tirer en fait. Je me pose la question de savoir si ça passe à travers là, le mur. Je ne sais pas du tout. On verra. On verra comment ça se passe. J'aurais bien aimé pouvoir faire des cages. Pour me défendre, des cages en métal. Mais je crois que je n'ai pas encore accès. A priori non, toujours pas. On va remettre ça. Là, j'ai fait un petit champ de blé. Voilà, pourquoi pas. Et puis voilà, ça avance tranquille. Tranquillement, on va continuer à récupérer de l'eau. Je manque d'eau. Je vais prendre de l'avance aussi là-dessus. Voilà. On va faire le plein parce qu'après on va attaquer les potions et on va en avoir besoin. Ah, c'est pas possible, ça repousse instant. Là il faut mettre un genre de portail, je crois, la clôture. On va le mettre ici dès qu'ils auront coupé les arbres. La deuxième tourelle. Et on va voir comment ça se passe. Si ça marche pas, bien tout simplement, je mettrai l'une au-dessus de l'autre. Ou j'en mettrai peut-être une de ce côté-là. Ah, ça peut être sympa, une comme ça, de ce côté-là. Ça peut être original, pourquoi pas. On testera. On verra un peu ce que ça donne lors de la prochaine attaque. Mais d'ailleurs, qui a lieu tout de suite. Alors, défense, rajouter des cages, plutôt, d'accord, ici, alors le portail, voilà, il apparaît de ce côté-là, on va faire l'appel ici, on va voir déjà, ah, j'ai les volants, ouais. ça c'est de la saloperie.
Alors, ils construisent un pont. On va les attaquer. Ok, ça va les tirer. Ah, bah, les deux tirent. Ok, donc c'est super. Elles font le boulot. C'est nickel. Alors, 2-3 qui fuient quand même. Ouais, ça se passe. Ok, c'est nickel. C'est nickel, nickel. Donc, peut-être en rajouter une. Non, deux, ça devrait suffire. Alors, j'en rajoute une deuxième de ce côté-là. Et au niveau de l'équipement, ben, on est pas mal. On est bien, je pense, au niveau des nains. On a donc un guerrier. Je vais peut-être lui faire un casque en argent et des bottes en argent. Alors, casque en argent. Voilà, et bottes en argent. Voilà. Hop, hop. Non, argent. Avec du cuir. Je peux en faire 3 paires. Ouais, enfin les 3, allez. Ce sera pour d'autres petits nains. Bon, on va le tuer encore. On attrape du mouton. Oh là là. Temps. Non. Et ils sont pas encore assez poussés. Je vais me faire ces plantes là. Qui m'énervent. Là, il y a du charbon qui traîne. On va détruire ça. Sur le pont des squelettes. Côté l'eau. Et puis voilà. C'est pas mal. J'ai plein de place. Au niveau des couchages, normalement, j'ai 11 pour 11. Donc ça reste tout à fait correct. J'ai ce qu'il faut. Mais je vais avoir encore plein de choses à installer. Quoi ? Regardez l'arbre. Voilà, déjà on a bien rattrapé tout ce qui était déco. Construction, non, c'est vrai que je fasse des fenêtres. Fenêtres carrées, du verre et du bois. Il me faut du verre. Ah, je suis en manque de charbon. Évidemment. Évidemment, manque de charbon. Donc, du coup, on va retourner. Ben là, il y en a plein de charbon. On va retourner ici. Poser tout ça. Comment on va copier l'histoire? Comme ça. Voilà. Là aussi, il y en a plein, charbon. On va le récupérer. Ok. Voilà. Là aussi. Un livre de nageur, super. On va rajouter une lampe quelque part. On va attendre qui. Ah, c'est les mineurs, hein. Lui, vu comment il envoie. La vache. Récupérer tout ça aussi. Du coup, on avait dit aussi que j'avais la deuxième réserve. Alors, je peux tondre un ou deux moutons. Couper. Voilà. Puis ça fait explorer un peu la partie gauche de la carte aussi. Là, il y a de l'or. Là, il y a du minerai aussi. Alors, il va falloir tuer tout ça. Là, non, on va pas creuser parce que je vais tomber sur la fourmilière. En même temps, la fourmilière, je peux, à mon avis, tout à fait...
m'en sortir maintenant, vu comment je suis équipé. Ça devrait pas poser de problème. Ça, je n'en ai plus besoin. Là, ils font les araignées. On va enlever l'étoile. On va leur mettre un portail. Voilà, qu'ils puissent creuser tranquillement. On va refaire des échelles. Alors là, pareil. On va faire des échelles pour qu'ils puissent remonter à la surface. Il va vraiment falloir que je me débloque l'ascenseur qui sera 10 fois plus rapide. Mais je dois pas être loin. Je sais pas où il est. Alchimie, fortification, le tissage. D'accord, c'est toujours pas là. Sac à dos robuste. Faire 3 de plus. Mais j'ai toujours pas avancé là-dessus, hein. Coffre en métal. Ça, c'est un peu pour la déco. Un parterre de fleurs. Bon, pourquoi pas. Ça coûte pas très cher. De l'eau. Voilà. Impeccable. Cadenas affamés. Oui, faut que je vous fasse à manger. Je vais vous faire du pain. Du pain, du pain, du pain. Avec de la farine. Voilà. J'ai plus de farine. Encore du pain. Pêche, non. Il faut que je fasse de la farine. Alors, j'ai plus de graines. Alors, les graines, par contre, on les fait avec le blé, voilà. Et je sais pas si j'ai un meunier d'ailleurs pour le meunier. Faut que je lui fasse un tamis. De la corde et des planches. Voilà. On va récupérer encore une fois la laine. Ok, où est-ce qu'ils en sont? Ah, livre de guerrier, classe. Enfin, on trouve des trucs sympas. Enfin. Ça, on va récupérer. Il faut vraiment que je pose ma deuxième réserve.
On était où là? Là, on est à peu près sous la maison. Par contre, il y a le donjon en fait. Il y a un donjon ici. Il n'y a pas de boss. Ah, on a fini la cuisine. Très bien. Travail de la pierre avancé. C'est fait. J'ai enfin fini construction avancée. Il était temps. Travail de la pierre avancée, c'est que des statues. Super. J'en ai fait les gargouilles en plus. Donc, le laboratoire, enfin. On va pour faire un peu d'alchimie. Je vais en faire deux des casseroles. On a toujours une d'avance. Les cadenas, je vais en refaire deux aussi. Et c'est ce donjon-là qui était en train de m'intéresser. C'est ce donjon-là qui m'intéresse. Écoutez, je pense qu'on va se le garder pour la prochaine partie. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de timing avec le timelapse, du coup. C'est un peu difficile à juger. Donc pour le coup, je préfère faire un peu plus court et puis on s'arrête là-dessus tranquillement. On va augmenter le temps quand même. On va refaire des ponts en bois ici, qu'ils évitent de tomber. Ça, il n'y en a plus besoin. Voilà, il y a plein de choses à récupérer. Je vais leur mettre portail. Qu'ils évitent de faire 10 000 allers-retours. Et du coup, je peux les équiper. Surtout avec. J'ai pas fait des sacs à dos, si là. Sac à dos robuste. Il y en a un. Sac à dos robuste. Sac à dos robuste. Toi aussi. Toi aussi. Donc il va m'en manquer 1, 2, 3, 4, et on manque 4. C'est quand même hyper pratique. Ah, je peux en faire que 3. Ok, j'ai plus de com, ça c'est pas grave. J'ai fait le plein de laine. Voilà. Et du coup, je peux faire le quatrième. Voilà. Donc ils seront tous prêts à être équipés en sac à dos. Voilà, pour gagner du temps au niveau de la récolte des matériaux. On va récupérer ça, ça. Là, est-ce qu'il m'enlève? Oh, il m'enlève, super. Bon, c'est pas trop grave. Un mec qui sait récupérer tout ça. Et puis voilà, bah écoutez, comme je vous disais, on se laisse là. Là, voilà, je continue à faire 2-3 trucs. Et puis au final, on va se retrouver avec un épisode de 2 heures. Donc, officiellement, on s'arrête là, tout de suite. Je récupère tout ça qui sert plus à rien. Et on se dit à la prochaine avant que je continue mon exploration et que je continue cet épisode parce que ben, quand on commence ce jeu finalement on n'arrive pas à s'arrêter. C'est un peu le problème. Enfin c'est le problème. C'est le signe d'un bon jeu. Mais effectivement, vous voyez, on trouve toujours des trucs à faire, il y a toujours des trucs à avancer, à faire évoluer, des choses à construire. Du coup, ben, on s'arrête plus. Donc voilà, mais ça fait plaisir, c'est bien de trouver des petits jeux sympas comme ça. Allez, cette fois, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao.